Indifféremment français, virgule, italien, corse, argentin, libanais ou marocain, étudiant, décorateur, fils de banquier en goguette, industriel, selon les besoins. Je suis un caméléon adapté à la survie. Non, tu m'es parfaitement adapté à la survie. Point. Changeant de pays quand ça devient critique, je ne suis que mes règles. Point. Tu fais un petit décalage à la ligne, tu vois. Vivre intensément et ne rien prendre au sérieux. Les uns et les autres, on avait déjà pas mal raclé le macadam d'aéroport un peu partout sur la planète. Mais c'était la première fois qu'on se posait sur la grande île au kangourou. On avait rendez-vous. En Australie, donc, un rendez-vous tordu, incertain, pour une rencontre imprévisible. Ce qu'on savait, c'était assez clair. Si nos têtes ne lui revenaient pas, on décanillait illico. Il nous avait prévenu, par téléphone, d'une voix lointaine et étrangement douce. Sans même s'être jamais vu, on avait passé un deal. Ce type qui avait accepté qu'on le filme pour la première fois était censé nous attendre quelque part dans le western australien. Sa gueule, tout le monde en connaissait les traits. Mais son nom était à coucher dehors. Sizia Zike. Ses livres, devenus best-sellers, laissaient entendre que le personnage n'était pas si commode que ça. Nous voilà aux antipodes, la tête en bas. Une équipe de tournage pour un film qui ne se fera peut-être pas. Autrement dit, cinq gars, comme les cinq doigts d'une main, qui, devant l'expectative, alors que le paysage défilait, était un tantinet crispé. Les renseignements dont on disposait étaient assez maigres. Sizia Zike nous avait lâché un seul contact à Kalgoorlie. Cela représentait 1000 km de route depuis Perth, la grande ville de la côte ouest où on avait atterri. À l'image de ces chercheurs d'or d'il y a plusieurs décennies, Sizia Zike, planqué dans un coin, cherchait de grosses pépites. Restait à savoir s'il nous permettrait d'en palper. Pour l'heure, on pouvait toujours rêver sur cette terre qui avait été fouillée bien avant lui par les pionniers. Avec pour seul bagage un pic et une pelle, ils furent des milliers à vouloir se refaire. En 1850, puis en 1910, puis encore en 1950, ils arrivèrent, par vagues, par ruée, en fonction des cours de l'once, selon les fluctuations du marché de l'or. À chaque course aux pépites, à chaque furie répétée, les techniques s'améliorèrent. Pourtant,
aucune concasseuse, aucun tof-tof ramasse-paillettes ne purent supplanter la loi amorale par excellence, la chance. Combien parmi ces hommes, orpailleurs à l'ancienne, finirent leur jour plein aux as en se faisant livrer le time dans leur baignoire? Peu, bien peu. La plupart terminèrent leur vie la tête dans le seau, achevés par leurs souvenirs du temps où ils y crurent, alors que ce fut le voisin qui, à chaque fois, ramassa le magot à un coup de pioche de leur terrain, à un coup de peau près. À Kalgoorlie, on se croirait dans un décor pour western exotique. La ville, aux façades régulièrement repeintes, est restée la même qu'à l'époque des chariots, des gros faitouts pour la tambouille, des coups de pétard et des coups de folie. Il ne nous restait qu'à dénicher notre contact unique, plus précieux pour nous qu'une gourmette en or au poignet d'un gigolo. Il avait, disait-on, pignon sur rue. C'est où ? C'est là, je crois. Attends. Ah. Ouais, la boutique, là, il me semble. On va aller voir. Yes, sorry to disturb you, but we are looking for Mr. Sizia. Do you know him? Oh, yeah. Yes, he passed through about a month ago. He's not here. I think he's probably waiting for you up at Lebanon somewhere. Okay, he's, he gave you a message for us. We are a French team of TV. Oh, yeah, right. I fixed him up with a guy at Lebanon. He's probably out in the sticks at the moment. You'd have to contact somebody in Lebanon. If you're interested, I'll show you on the map. Okay, thank you. Right. We're here in Kalgoorlie. Yeah. You follow this road up to Leonora. About another 70 miles up to Laverton. 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 Yes. From Laverton, he got a guide and he's way out in the sticks now. So what you'd have to do is go to Laverton and just contact some of the guys there and see exactly where he is. They could probably draw you a mud map. Okay. He is in the bush, maybe. Oh, he's prospecting, yeah. Encore 300 bornes et on sera fixé. Les Australiens ont surnommé cette piste la route de la soif. Décidément, le Sizia Zike, c'était bien le type à surprise qu'on s'attendait à découvrir. Son camp, au bout du voyage, était planté là comme un nid d'aigle sous une bâche, comme le chapiteau d'un cirque abritant tous les mystères possibles. Elle est occupée. Ouais. Attends. Tiens, deux bonnes secondes. Ouais. Hello. Good afternoon. Fine. Sorry to disturb you, but we are looking for Mr. Sizia Zike. Yeah? Oh, well, I think you better go and see my husband, Ray. He's far from here. He's working just up there. Drive up straight that way. Yeah. And his name is Raymond. You go and ask him. Raymond? Raymond. Okay. Thank you. Il a dit de s'adresser à son mari qui s'appelle Raymond. Raymond? Oui, Raymond. Voilà, allez, fermez vos gueules, les mecs. Arrêtez vos conneries. C'est peut-être pas des marrants. Attendez. Ouais. Ah, il a le flingue, le mec. Hello. What can I do for you? Yes, we are looking for Sizia Zike. We are some friends. From where? From Paris, France. In Paris? Yes. Non, qu'est-ce que c'est que ce mec, là? Hello? On monte? Ok. On arrive. Non, il est bien perché, là.
bout du monde, hein. T'as pas eu trop de problèmes? Moi, c'est long, hein. Ah, c'est long, hein. Dis un truc. Salut, Zizia, Dominique. Ça marche, Dominique? Ça va, Jean-Claude? Jean-Claude. Ah, bon coup de soleil, là, lui, hein. Ça va? Gilles. Ok, c'est bien. Patrick. Ok. Vincent. Bon, bien, rentre, hein. Ouais. Bien. Bon, ben voilà. Lolo, Dominique. Et puis, j'ai oublié votre prénom, quoi. Bonjour. Patrick, Vincent. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est superbe, hein, comme coin. Tu aimes? Tranquille, quoi. Là, c'est vous, les gars, hein. Je vous remercie, Sylvia. Ah, c'est une grande bâche, alors. Ah ouais, c'est marrant. C'est une grotte, un peu. Ces appareils que tu vois, là-bas, c'est pour prendre l'or. T'as trouvé déjà pas mal de choses, là. Enfin, quand je dis de pas mal de choses, c'est l'heure de l'or. Un peu d'or, bah, rien pour ça. Un petit peu, quoi. Est-ce que l'endroit que tu travailles, est-ce qu'il est connu à travers le monde ou... A priori, pour nous, il est absolument inconnu, mais pour les chercheurs, entre guillemets, les professionnels. Cet état qui s'appelle le Western Australien, il y a de l'or un peu partout. Mais là, on est en retrait un peu de tout, oui. Il y a des gens... Vous n'avez pas vu des trous en venant? Des trous? Si, oui. Des monticules. Ouais. Ça, c'est des trous faits siècle dernier, fin du siècle dernier, tu vois. Bon, ouais, c'est un siècle, quoi, 90 piges, ouais. Quand vous arrivez, vous mettez au boulot tout de suite, vous, hein. C'est des rapides. Ça y est, on est accepté. On commence à prendre la mesure de l'homme et surtout du décor qu'il s'est choisi. C'est là, au fin fond du bush, cette terre rouge, sauvage, ponctuée d'arbres, sans eau, typiquement australienne, ne ressemblant à aucune steppe, à aucune savane connue sur les autres continents, que Sizia a sa concession. C'est là qu'il partage son temps entre la recherche de l'or et l'écriture de son prochain livre. C'est là qu'il se cache, qu'il remue terre et ciel. Tout ici est incroyable. L'immensité, l'homme, Zike, pas perdu pour un rond au milieu d'un tel paysage, et aussi le copain aborigène, Danny, le cook, personnage qu'on n'aurait pas osé inventer. Capitaine à cap du bush, clopinant comme s'il hésitait, à chaque pas, à symboliser à lui tout seul le passage de la préhistoire à la refourgue des lingots. Thank you.
L'or, s'il y en a, tu le trouves ici, tu vois. Ce qu'on appelle rifles en anglais, tu vois, des rifles. Qui permettent, tu vois, stop, là. Non, mais rigole, là. Ouais, elle rigole. Ils rifles, ils disent. Voilà, c'est là, il y a que chi. Il n'y a rien, là. Ça, c'est un coin grosse pépite, de toute façon, donc on va pas trouver d'orphin, quoi. On va. Je le filtrerai plus tard. Bon. Like the one on the other side. Que... la poussière d'or, ça t'intéresse quand même Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, je l'or. C'est cadeau. Non, moi, c'est les pépites, tu vois. Ça a de la valeur, hein. Tu peux le fondre et tu ne viens pas. Un chip, peut-être, quoi. Il y a un recto verso quoi sur cette machine. Ouais, des deux côtés, il y a six plaques. Let's do it there. Yeah. Ok. Il y a six plaques. On enlève les. Non. Non. Yeah, look. Voilà, en voilà un, tu vois. That one. Hey! Hein? Ça, c'est une bonne taille déjà. Yeah, let's put everything. Well, yeah, wait. Some, yeah. Some small stuff. Tu vois? Tu vois? Maybe some small stuff. Voilà, ça, c'est quoi? C'est. Tu vois? 8 grammes. Pas, ouais. 8 grammes ici. Là, c'est 3 grammes. Regarde comment elles sortent, c'est bizarre. Hein? Là, ça. Ouais. Et dans la terre, je vois pas tellement, tu vois. T'es content ou pas? Oh, la journée est bonne. Mais c'est tous les jours comme ça ou il y a des jours sans? Au début, ça a été là derrière toi, là. C'était un peu dur, ce 20-30 grammes par jour. 20-30 grammes, je paye pas mes frais, tu vois. Puis maintenant, il semble que ça soit bon. Ça commence. Aujourd'hui, on a fait quoi, 150. On fera peut-être 300 grammes aujourd'hui. C'est des fois il n'y a rien, c'est pas continu si tu veux. Pas... Oh putain, celui-là est gros. That one. Ouais. That's got a nice shape. Tu vois? Ça c'est 30 grammes, ça c'est du nice. Il y a du quartz, regarde. Regarde, il y a du quartz dedans. On voit le quartz. Ouais, super. Ouais. Elle est belle, hein? Celle-là est belle. Et ça sort propre comme ça, là, alors. C'est dingue, hein? Mais il faut aller brasser. C'était plein de terre. Ouais. Allez, brasser. Si tu la trouves, si tu veux. Sans qu'il n'y ait aucun mouvement, ces trucs-là vont être remplis de terre. Mais là, l'appareil bouge. Hein. Je vais brasser. C'est plein en froid, c'est des trucs. Yeah. Ça, ça vient. C'est de l'or, l'or de veine, tu vois. Qui a dû rouler, ouais. Ok, let's get some more. Qu'est-ce que tu lui files à lui quand on trouve des balles comme ça? Moi, je vais filer, une partie de l'or, si tu veux. Mais c'est normal. Enfin, cadeau. Cadeau, parce que je donne de l'argent, moi, généralement. Je vais filer 2-3 pépites pour qu'il y ait un souvenir. Ça, c'est moi qui paye. Les frais, quoi. Ses salaires. Son salaire. Ça, c'est la dernière plaque. Ouais. Viens voir. Ça, c'est, tu sais, les plombes et les vieilles pétoires. Ouais. Tu vois? Les plombs de fusil de chasse, quoi. Ouais, ouais. Ils chassent les kangourous avec ça. À l'époque, sans doute, quoi. Là, il y a du monde, il y a 50 ans, 60 ans. Bon, vous voulez boire le champagne? Oui. Ça vous dit? Ça vous dit ou non? Ah, oui. Ok, let's go. Let's get it free. Yeah, non, non. Oh, des merdes. Hein. Ah, là, tu viens de l'être. Oui. L'or au fond des verres, là. Eh ouais, faut fêter ça, tu vois.
Ça m'apporte des chances pour être prochaine. C'est quand même bateau, toi. En souhaitant qu'elle est plus grosse. Tiens, cheers. To more gold. Gold. Je mets pas les pépites dans la bouteille quand même. On ne va pas les retracer, c'est moi bien. C'est bien pour ça, toi. Pourquoi tu dis... C'est toujours la même phrase, même dialogue. Hein? Pourquoi tu dis que nous sommes des tricheurs? Interrogation, hein. Tu te poses des questions, tu continues le même dialogue, tu dis comment as-tu pu penser, comment as-tu pu imaginer, c'est mieux, comment as-tu pu imaginer qu'on allait te laisser parler. Ton chien, c'est mouche, hein. J'en profite là pour travailler à ton manuscrit là quand le temps permet pas la prospection. Mais les machines, c'est quand il pleut, le sol. Tu as vu la machine travailler? Oui. Bon, mais là, c'est dry blowing, tu vois, c'est le système. Il faut que le sol soit pas compact, ne soit pas mouillé. Il faut que tu comprends, il faut qu'il y ait la poussière pour pouvoir travailler comme ça. Et là, le sol est mouillé, quoi, il a plu. C'est-à-dire que pour l'or, c'est foutu aujourd'hui. Et tu continues à faire de l'or, c'est-à-dire que là, t'en fais pas sur le terrain, mais t'en fais avec ton manuscrit. Hein. Oh, un petit peu, quoi, pas grand-chose. Ouais. Comment un type comme toi peut se sentir à l'aise dans un pays qui est quand même ultra fliqué, où il est difficile de partir? Tu en vois ici? Non, mais on sent. On sait très bien qu'en Australie, il n'y a pas une présence policière énorme, parce que, bon, c'est un continent, mais c'est une île. Ouais. Et que, bon... respecter certaines... Respecter... Oui. Non, j'ai envie de ça. J'ai passé 20 ans dans des pays pourris, toi. Ça me fait du bien de voir des gens normaux. Hein. Qu'est-ce qui t'a plus frappé en Australie, pour le moment? Australie? Tu sais, j'ai pas vu grand-chose d'Australie parce qu'on s'est enfoncé tout de suite. Hein. Mais les gens sont bien, les gens sont tranquilles. Ce sont des lutteurs aussi, tu vois, ils se battent contre la nature, et c'est dur ici, c'est chaud. Plus personne t'emmerde et tu as de la place, tu as tout ça, quoi. C'est le plus important. Ouais. Pays sympa, ouais, j'ai envie de ça. Pas pour une vie entière, tu vois, mais pour quelques mois, c'était parfait. L'aventurier pur, noble et qui part sur son cheval en chantant I'm Lonesome Cowboy, ça n'existe pas, tu vois, il faut pas... Ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un écrit sur lui, tu vois, il va mettre tous les beaux trucs parce qu'il va être commercial. Et je suis beau, je suis gentil, je suis fort. Et, tu vois, c'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Tu vois. Et tu peux l'être aussi. Tu peux faire montre de ces qualités-là. Mais j'ai quelques qualités. Je ne suis pas l'immonde fils de pute matériel. Tu vois, tout le monde se sent pas ça. Et ça aussi, c'est une image qui est fausse. Il faut être dur quand tu pars en lutte. Si tu es un enfant de cœur, tu te ramasses au premier carrefour, quoi, tu comprends? Quand tu traites avec des corrompus, il faut qu'on ait toutes ces armes-là. Il ne faut pas te laisser marcher sur les pieds. Mais je ne suis pas connu comme un salopard dans le monde. Si tu veux, j'ai beaucoup d'amis. J'aide pas mal lorsque je peux, quoi, tout simplement. Je n'ai pas voulu tomber en écrivant maître du bon, tu vois. Il n'y a pas de justification dans mes bouquins, c'est l'aventure comme tu la rentres et comme tu la vis et grandir le plus rapidement possible, balayer les obstacles, tu vois, c'est important. Ça ne veut pas dire tuer tout le monde non plus.
Ben, il faut, faut être positif, voilà, le mot est positif. Hein. Qualité pour trouver de l'or, c'est ne pas être intéressé. C'est... Ça, j'ai vérifié tout au long. Hein. Moi, je n'aime, j'aime le succès, mais l'or par lui-même, tu vas trouver le... J'ai pas de feeling, tu vois, tranquille. Et... Tous les gens qui ont trouvé des grands filons ou des choses comme ça, c'est surtout des lutteurs, mais assez purs intérieurs. Je dis ça pas pour moi, mais je l'ai remarqué. Hein. Parce que la folie de l'or existe, et ça, c'est très nocif dans un campement et autre chose. Il y a des gens qui sont portés, qui veulent, qui sont capables, et qui le font, quoi, qui tuent pour voler l'or du copain, quoi. Alors, il y a des légendes, c'est des superstitions qui disent que l'or va au pur, quoi. Ouais, je suis pur, moi aussi. Et ce soir, on peut aller faire un tour, mais à la seule condition que vous emmerdez pas, enfin... Danny, tu vois, le... l'aborigène, le vieux, le cuisinier, il a peur des caméras. Mais pour vérifier ce que je t'ai raconté de la pureté, tu vois, faut que l'or va aux gens purs. De temps en temps, on se balade le soir. On se balade avec un appareil qui est le bip-bip, avec le cylindre. Là. C'est un truc que j'aime pas utiliser. Tu vois. J'aime pas cette manière un peu con-con. Si tu veux trouver de l'or, c'est pas très noble. Le soir, on va se balader. Et ce type-là, il est très... Il trouve de l'or. Ce qu'on fait quand la journée est mauvaise, ben, on fait un tour le soir. Un clou. C'est quoi, un clou? Un nail. Ok. No problem, was good. Danny, you finish him fast because he's suffering. Ah, ça fait chier quand même, parce que c'est... Mais on est obligé de manger, regarde, ils sont... Il faut bien qu'on mange, quoi. Mais c'est vachement beau, le jeu. Vachement doux comme animal. Il n'y a pas d'autre moyen de se nourrir que de tuer le kangourou, quoi. Si, on a besoin de viande. On a besoin de viande. Just you tell me if it hurts, huh? Yeah, you're right. He can hurt. Yeah. That's my job before, you see? Mm. Yeah, horses, huh? Yeah, good job. Then roam? Yeah. Don't roam, my leg. I gotta be sitting in one place. Got a new leg here. Mais il avait le truc, c'est la protection, là. Another one, Danny? Elle en veut un autre, hein. Yeah. Il aime ça, lui. S'il me passe un clou, là. Oh, you got one here? Ah, I got one here. Yeah. Tu vois, son truc, this one il here. Faut lui changer. Je lui change une fois par mois, ce... No, this way. This one here, all, yeah. All, yeah. This one. See? Like that.
Combien ça vaut, quoi, toi? Et tu as trouvé où, ce type? Ah, c'est un... Ça fait 2 mois qu'on se connaît. Il est super sympa. Don't frog him, he got no leg, he's in the near one place, he can never walk around. If you make him trouble. Here, fantastic. All right, that's him. It's good, huh? Yes, oh, okay. Thank you, boss. You're welcome, my friend. Thank you. Okay. I got a friend and good kangaroo, and when I cook them, you got to take them moving. Let's call in a pint of them. I might be going to sell them. I might be going to sell them. In the town. Yeah. I might sell him for the making of money. I might be going to town. He might be going to pay him cow. I might be going to pay him the TV. I might be pay him wireless, blanket, shirt, clothes. Might be 22. I might be the lazing, kind of lazing. He might be pay him all things, depending on all the things, might be for fruit, anything. If another is you live in a bank. Tu viens pas long. Ce jour-là, Sizia nous avait averti. Pas question d'être au boulot, car il s'attendait à une visite. À 16h pile, ils arrivaient. Ça faisait 3 heures qu'ils roulaient, depuis qu'ils avaient quitté l'Averton, le bled le plus proche. Un type comme Sizia, quand il investit une région, très vite, il se fait une réputation. Ceux-là sont venus participer à une sorte de rituel, une partie de poker, une grande flambe bimensuelle. So, how are you? Yes, right. Nice to see you back. Right. Hey, hey, right. Tony. How are you? I got the champagne. You have a good game. Pretty long way, huh? Well, of course. Oh, we didn't do too bad today. Aye. We got a bit. Gee. Very much. Nice sound. Nice. Yeah, it was worth coming off folk again, wasn't it? Yeah. It's still hot, doesn't it? Gonna count really safe. Yes. Yeah. Nice. What we need is a nice big. Okay. Nice big dam. Gentlemen, I wish you a good luck today. Let's enjoy the game. Yeah. Same time. Cheers. Okay. You've been practicing. Yeah, you know, not much to do here, so. Should be looking for more gold. Yeah. The hydraulics overheat. It's out of mine. All right, cool for those, yeah. So, we play 5 cards, huh? Mm. Okay. Mm. Nine is before. And then get the good one here, don't you? Yeah. My turn. First, huh? I wanted two. I wanted two. Excuse me, man. Yeah. You got the light of this? Under the 100. I'll go for the value of the pot, which is 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700. It will cost you $700 if you want to stay in the game. 700. Yeah, I get more or less that. Yeah. That should be enough. You go for it also? Yeah, I'll go for that. I'll bump that another half ounce. Okay, that's very good. Ooh. Mm. That's gone, that one. We've had a good game so far. Yeah. We have a bit of privacy, you know, tell your friends here.
Yeah, I will tell them. Il aimerait bien que d'avoir un peu plus de privacy, ça veut dire de tranquillité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez la gentillesse de foutre le camp, on sera tous heureux. Quoi. There's a lot of money going on in the game. Yeah, I'm trying to tell them nicely, you know, but they're heavy. And there's 3 weeks work there. For me, yeah. All right, for you keep winning. I understand that, yeah. Mm-hmm. Well, can you ask him, you know, more time with the game? Yeah, messieurs, il insiste. Allez, soyez sympa quand même. On y va. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis le moment où on s'était fait jeter. Alors, pigeon plumé ou grand prédateur au bifton entre les dents, les partenaires au poker. Did you lose or not? A lot or not? Well, you lost a little bit. What are you going to say? No, well, you know, I've done a little bit of it, you know, so you have to... Put it this way, what's 3 weeks' work? You know? He's a good gambler for you, according to you? Yeah, he's not bad. He's not bad, yeah. He won. Plays it hard. He seems to know, you know, you try and keep a poker face, but he seems to know. Okay, thank you. He won. Sorry for disturbing you. Yeah, well, maybe next time I'll get him back. See you later. Ils n'ont pas eu de chance. C'est toujours pareil? Ben, un jour la chance tournera, j'espère pour eux. Quoi. Ils ont perdu combien de dollars depuis que t'es là? Les deux? Ouais. 15 000 peut-être. 14, je sais pas. Ils me doivent du fric là aujourd'hui. Un quart de kilo. Hein? Elle a trouvé là. Where do you find it, Mara? Right there, right? Just there, where that big rock is. Yeah? Down in there. I was looking in the... À quelle profondeur elle était? Where do you find it, exactly? Did you see the complete nugget or what? This bit here was sticking out. Elle avait pratiquement surface, juste ce petit morceau là. Tu vois qu'il est passé. Ça représente quoi en argent, ça? Au poids, bon, un quart de kilo, le kilo doit être à 12 000 dollars, je pense. 12 500 dollars, alors tu calcules, ça fait 2 000, 3 000 dollars, quoi.
3 000 $. Ah, mais j'ai la place en tant que pépite, si tu veux. Alors, ça coûte beaucoup plus cher. Je fais un type de 3-4 peut-être. C'est la première de cette taille que tu trouves ici? Non, j'y trouve plus gros, mais elle est pas belle. Elle a du, de la, comment tu appelles, de quartz et de l'or. Ça, c'est un mélange. De la pureté? Ouais, l'impureté. Un bloc de pierre. C'est ce que m'a recherché. You were looking for quartz? Yes, I was looking for rocks that have gold in it. Tu sais, le quartz et l'or. Hein. Ça va, hein? Et ce truc-là doit avoir, tu vois, c'est le regard que mon frère, regarde. S'il y a une surprise ces jours-ci, elle va venir de là, regarde. Parce que plus on est monté, tu vois, au départ, il y avait toujours de l'or, mais ça change de jour en jour, tu vois. Et pour moi, ça va être là les jours qui viennent, tu vois. C'est ça dans le tronc? Ouais, non, par là, tu vois, ce côté-là, je le sens par là. Ça va être bon, quoi. Moi, j'aurais bien une pépite de 2-3 kilos dormir par là, tu vois. Ça serait sympathique. De vie. Pour ma vie, la femme est un poids. La femme est un poids parce qu'une femme me limiterait. J'ai fait quelques tentatives très courtes. Ça va, ça suffit. Quoi. C'est merveilleux. J'aime bien les romans. J'aime beaucoup les femmes. Attention, c'est pas sans doute misogyne, mais j'adore les femmes puisque c'est les femmes. Quoi. Elles sont belles et j'ai envie d'elles. Quoi. Mais avoir une présence constante à mes côtés, ça veut dire responsabilité. Je ne veux pas la responsabilité, ça c'est le point. Tu vois. Je ne veux pas avoir à me préoccuper de quelqu'un. Je me préoccupe de moi, c'est des propos égoïstes. Je suis égoïste sur ça, je suis très égoïste. Et une compagne dans la civilisation avec plaisir. Tu vois. Boire du champagne et faire la fête, c'est un très grand plaisir. Mais dans une aventure, j'en veux pas. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer une femme qui t'était proche, c'est-à-dire en faisant abstraction du côté masculin, féminin, mais un caractère, une détermination, une oui. Vie qui était semblable à la tienne, chez une femme? Oui, j'ai eu de très, très compagnes fantastiques. Mais il reste toujours un caractère très fort, mais c'est vrai que mon caractère était plus fort. Et puis tu sais, un couple, c'est toujours une lutte, hein, une lutte de personnalité. Je n'aime pas ce côté-là non plus, tu vois. Je n'aime pas prendre soin, avoir à prendre soin de quelqu'un. C'est le truc qui me dérange. Et j'adore les femmes, à part ça, j'adore les femmes. Mais... Et l'aventure, c'est quoi au fond pour toi? Si tu devais te décaler par rapport à ta vie, à ce que tu es, et donner non pas une définition, mais parler de l'aventure, comment tu en parlerais? Pas tant peut en parler, moi. On m'a traité d'aventurier depuis des années, un peu partout. Dernièrement, je suis passé en Europe, c'était le mot qui revenait toujours aventurier. Moi, j'ai surtout cherché à vivre et tout simplement, tu vois, je ne peux pas te donner une définition d'aventure. Mon père était un guerrier, tu vois, légion étrangère. Un type très bien. Et on vivait au Maroc, puis il y a eu l'indépendance, et alors on est arrivé en France. On est arrivé en France, j'ai une dizaine d'années. Déjà l'action, un petit peu d'action au Maroc, j'ai vu mon père en action. Et quand c'est l'indépendance, c'est les troubles et les trucs de rue. Quoi. Puis après découverte de la France, j'ai 10 ans. Là je commençais à me faire chier. La France n'était pas belle. Je n'ai pas trouvé belle à cette époque-là. Toi. Maintenant c'est pas pareil. Triste. Donc, fais un peu de sport, puis j'ai cherché à partir de France depuis l'âge de 14 ans peut-être. Je n'ai pu partir qu'à 17 ans. C'est pendant 3 ans, j'essaie de tout partir, je n'ai jamais pu partir. Pourquoi tu essayais de partir? Tu ne sentais pas bien? Mais non, pas seulement ça, c'est le fait d'avoir une famille, c'est une grosse responsabilité. Tu vois, je n'avais pas la totale liberté.
Ils étaient responsables de mes actes. Les parents sont responsables de tes actes. Bon, à l'époque, c'était comme ça. Et la majorité, c'était 21 ans. Donc, ça m'embêtait d'apporter des problèmes constamment. Voilà. Alors, je voulais la liberté totale. Pas de préoccupation. Et j'ai eu la chance de partir à 17 ans. Bon, après, je ne sais pas. Après, il y a eu beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages partout. Et quand tu es parti à 17 ans, c'était pour où? L'Argentine. L'Argentine, la Pampa, et puis... L'Argentine, c'est un... C'est le début. Bon, il y a probablement une satisfaction d'être sorti de France. Ça, c'est très important. C'est donc une envie de vivre terrible. Tu as voyagé, tu dois connaître ce truc-là. Hein. J'ai envie de t'éclater. Donc, je me suis éclaté pendant les premières années. 5-6 ans de voyage, c'était l'éclatement total, si tu veux. Bon, beaucoup, beaucoup de plaisir. Aucun problème, personne... pas te préoccuper que maman, papa ne vont pas être contents ou ils vont être tristes, tu sais. Chez nous, on est des Latins, c'est une famille très unie, tu vois. Et... Donc, pas de problème. L'Argentine, tape importante. Là, j'ai un petit virement dans la liste. J'ai commencé à penser. Moi, c'était le côté marginal qui me plaisait tout le temps, tu vois. Il y a eu un changement et... Donc j'ai trouvé les maîtres d'escroquerie, les Argentins. C'était une petite école rapide avec eux. Puis je me suis baladé en Amérique du Sud, puis l'Amérique du Nord, le Canada, l'Asie. Je n'ai jamais stoppé, c'est ça. Quoi. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Bon. Moi, je dis ce que je pense, tout simplement. Ça peut heurter les gens, mais ils ne sont pas sortis de leur pays, donc... Ce qu'ils reçoivent, c'est des informations et un bourrage de crâne. Par les informations, par la nouvelle. Hein. Mais les gens qui ont, pensent un peu voyager me donnent la même vision que j'ai. Qui peut paraître une vision colonialiste, tu sais. Pour Sarah, j'ai eu des critiques. Il y a quelqu'un qui a parlé de... Qui a dit que je parlais des Noirs comme les Sud-Africains rêveraient de le faire. C'est ça. Alors que ce n'est pas ça, j'ai trouvé l'Afrique un continent très bien, très intéressant, et les types superbes dans leur contexte qui est la jungle, parce qu'il y a un changement trop rapide, et ça personne ne peut le nier, tu vois. Et que le noir des villes, ça, pour moi, c'est un type qui singe son colonisateur. Et ça, c'est la vérité, je peux pas te dire. Bon, ça, c'est des propos racistes, mais je les tiens. Jugé raciste, tu vois. Et est-ce que tu peux avoir, par exemple, est-ce que tu as eu des amis ou une connivence, une complicité forte avec, je sais pas, un Asiatique, un Africain? Mais évidemment. Avec tous les pays, mais évidemment, c'est normal. Sisi Azike nous avait accordé 8 jours. Le contrat était terminé. Ça tombait juste. Subitement, il décidait de changer d'endroit. Ce n'était certainement pas un hasard. En regardant son convoi s'ébranler, on se dit qu'on voyait partir un sacré personnage, aux multiples facettes, et que toutes n'avaient pas été dévoilées. À 36 ans, il lui restait encore du temps pour nous épater. Et cette fille, sa compagne, surnommée Nono, pourquoi avait-elle toujours refusé de parler? Son bouquin, celui qu'il venait de finir, avec son titre ambigu, parodie, qu'est-ce qu'on en savait? Son départ, pour quelle destination? Décidément, ce type était conforme à une certaine image, à une certaine idée qu'on pouvait avoir de lui. Les vrais aventuriers n'ont pas besoin de sponsors.